Spécialisé dans la fabrication de pièces de machines agroalimentaires, Manu Greg a parcouru du chemin depuis sa création en 1999. L'entreprise lissoise, qui travaille pour des géants de l'industrie agroalimentaire, est aujourd'hui reconnue comme l'un des leaders français sur ce marché de niche. On travaille dans la chaudronnerie, tuyauterie, soudure. Donc, on travaille dans le séchage et l'évaporation. Donc tout ce qui est déshydraté pour la nourriture humaine ou animale. Donc on fabrique des sécheurs de lait ou des sécheurs pour différents types de poudre, des cyclones, des lits vibrés, des tours de séchage. C'est un marché très concurrentiel avec des pays comme le Portugal ou les pays de l'Est. Mes clients sont en France et en Europe. Des gens comme le Safre, le Blédinor, Lactalis. Et puis aussi, on travaille un peu dans la sucrerie. Malgré la hausse des prix et les problèmes de pénurie de produits, nos clients n'ont pas le choix d'investir et de se mettre en conformité suivant des normes. Et donc, le marché ne baisse pas et aujourd'hui, autant de travail. Par année, on a plus d'une centaine de commandes qui peut aller de 100 € à 400 000. Une commande sans précédent a récemment été expédiée vers une usine belge du géant Lactalis. Il s'agit de la plus grosse commande jamais réalisée par l'entreprise. Ça, c'est un filtre à manche qui mesure 6 mètres de diamètre et puis 20 mètres de long et 20 tonnes. Comme il est tellement gros en diamètre, on a dû le faire en 5 modules qui va être assemblé sur site et assemblé, soudé et mis en place. Pour l'entreprise, ça représente la moitié du chiffre d'affaires de cette année. Aujourd'hui, ce que je souhaite, c'est perdurer l'entreprise. J'ai mon garçon qui va reprendre par la suite. Donc, je suis en train de former un maximum de personnes pour permettre de me retirer un petit peu à la fois et que l'entreprise soit toujours aussi bien gérée. J'aimerais bien pouvoir être propriétaire d'un bâtiment pour faire évoluer l'entreprise.